Révolution, la révolution des patriotes, pour plein de belles raisons. Pour que les hommes et les femmes aient le droit de vote. Pour que les Amérindiens aient le droit de vote. Pour qu'on puisse avoir des écoles gratuites. Pour qu'on puisse avoir des systèmes de santé gratuits. Pour qu'on essaye d'arrêter d'acheter les choses de faites un petit peu partout. À l'époque, c'était fait en Angleterre. Aujourd'hui, c'est différents pays. Mais on voulait acheter local. 1837, mesdames et messieurs, on voulait acheter local. Plein de belles idées. Mais les Britanniques ont encore gagné. Fait que après ça, les Britanniques ont dit qu'il faut vraiment trouver une solution pour ces maudits Français-là. Fait qu'ils nous ont envoyé Lord Durham. Connaissez-vous Lord Durham? Non, ça vous pouvez le huer, je vous empêcherai. Lord Durham, non, mais c'est pas... Peut-être que vous vous méprenez, parce que c'était pas un mauvais gars, tu sais. C'était un gars profondément... généreux, je veux dire. Puis quand ils nous ont regardé, le petit peuple, à cette époque-là, on se disait tous canadiens, mais on parlait des francophones, évidemment. Quand ils nous ont regardé, il a dit « pauvre petit peuple ». Et ça, c'était paternel, c'était sa façon de nous aimer. Il s'est dit « pauvre petit peuple qui n'ont aucune idée comment bouillir de la viande à la sauce à la menthe ». La meilleure affaire qui pourrait leur arriver, c'est de devenir de bons citoyens britanniques. Et il a écrit le rapport Durham, pour dire comment assimiler les francophones. Il y a 5 ans, mesdames et messieurs, on a écrit une lettre à M. Lord Durham. Depuis ce temps-là, on a eu un peu de problème avec Post-Canada, fait qu'on n'est pas sûr qu'il l'a reçu, mais... C'était pour lui dire qu'il s'était trompé, même s'il pensait qu'on était un petit peuple et qu'on allait disparaître. On est toujours là à parler et vivre en français en Amérique du Nord. Voici la lettre à M. Lord Durham. Dans le pays, dans le Canada, c'est l'Ontario, Ontario, le pays dans le
tienne, des blancs d'Amérique, ne nous servent à rien. Les tissus sont jeunes, moins intelligents, une cicatrice solide, l'ancien corps. Ça joue nous. Si nous étions petits, nous étions à l'union. Tu l'as tant qu'il y aura de pays dans le Canada. Tu l'as tant qu'il y aura de pays dans le Canada. Y'aura toujours des hauts et des bas. Y'aura toujours des hauts et des bas. Tu l'as tant qu'il y aura de pays dans le Canada. Tu l'as tant qu'il y aura de pays dans le Canada. À la basse ainsi qu'à la sonorisation de la dune, François Beauséjour.